Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de sculptrice, nous allons voir la le leçon numéro 8 qui portera sur le masque. Cet outil va permettre de masquer des parties ne devant pas être touchées par le pinceau. Vous devez vous retrouver avec une tache noire sur votre forme, ce qui spécifie l'action de votre masque. Donc la touche raccourcie ça sera M. Donc ici je vous présente mon petit personnage shipper que j'ai complètement transformé en espèce de shipper euh, sans peur aux enfants on va dire. <laughs> Et ici vous voyez en zoomant, je peux vous montrer que grâce au masque j'ai pu faire des traces sur les dents Bon alors le nez je l'ai enlevé, j'ai fait un trou à la place En gros donc j'ai utilisé les différents outils, qui soient le Inflate, le, le Crease, le, le, le Draw et ainsi de suite Le Grab bien évidemment, afin d'étirer, de modifier, de transformer Donc par exemple ici vous voyez au niveau des cornes, ou au niveau des, des espèces de tentacules Je me suis servi du masque, je vous expliquerai comment faire Et ensuite j'ai fait en sorte de faire des étirements, enfin voilà Là aussi, si je prends ma, ma loupe, et je vais sur les doigts, je vais les créer des ongles. Enfin voilà. Bon, euh, on... je vous montrerai un peu ce que j'ai fait, mais on repartira de zéro, donc style si d'une sphère ou chose comme ça. Euh, de toute façon, je pense que je vais arrêter shipper. Je prendrai, je prendrai d'autres petits objets beaucoup plus simples où on peut s'amuser dessus. Et puis, comme je vous disais, le but n'est pas de vous apprendre à dessiner, mais simplement de vous expliquer toutes les fonctions de Sculptris, et je sais qu'il y en a. Donc, sans plus attendre, regardons Sculptrice. Donc voilà la bestiole, comme je vous disais. Hein, donc euh... Évidemment, je l'ai complètement transformé. Hein. Vous voyez, je lui ai fait des dents pas belles, un nez, enfin avec des, avec des grosses narines, des boutons de partout, et ainsi de suite. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez retrouver bien évidemment ce personnage sur mon site internet, hein, comme d'habitude. Je vous montrerai à la fin comment le récupérer. Mais nous, on va repartir sur des bonnes bases, en l'occurrence sur une sphère. Donc on va faire en sorte d'enlever ce personnage, on va cliquer ici sur Nouvelle sphère, et on dit Nouvelle scène. Nous voici maintenant sur une sphère toute bête. Très bien. Donc, l'outil masque ici, il est là. Vous voyez, on clique ici, touche M comme je vous disais. Si vous appuyez, il ne se passe rien. Alors, pour savoir ce qui se passe, regardez, on va cliquer sur la wireframe pour voir ce qui se passe. Donc, on a du détail qui va être affiché. Donc, rappelez-vous, le détail là, je vois qu'il est au maximum, ça ne va pas du tout. Donc, je vais faire pomme Z ou CTRL Z sur Windows pour pouvoir revenir à zéro. Et là, vous voyez, mais il ne se passe rien. Pour avoir le masque, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL. Et là, vous aurez une belle tache noire qui va apparaître. Et vous voyez, grâce à ça, on va pouvoir modifier. Donc là, par rapport à la tache noire, ça sous-entend que tout ce qui est dans le noir ne pourra pas être modifié. Regardez, je vais prendre maintenant, la je vais prendre maintenant le pinceau draw Et Je vais dessiner. Et si je vais au bord, vous voyez, il ne se passe rien. Il fait en sorte de ne pas toucher le bord. Si par hasard vous voulez toucher que ce qui est en noir et pas à côté, il suffit d'appuyer sur la touche Ctrl, donc en dehors de votre modèle, et vous cliquez sur bouton gauche de votre souris. Automatiquement, vous avez une inversion. Et là, par contre, si vous prenez par exemple le petit Grab, on va augmenter un peu la taille. Et on va pouvoir, vous voyez, par exemple, faire quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est très intéressant. Maintenant, ce que vous voulez, c'est donc je recommence. Là, j'ai inversé la sélection, je recommence, j'ai inversé la sélection. Si maintenant je veux tout supprimer, j'appuie sur ma touche Ctrl. Je laisse toujours mon doigt enfoncé, bien évidemment. Hein. Et je fais un glisser-déplacer avec ma souris au niveau du bouton gauche. Et vous voyez, automatiquement, le reste a disparu. Alors, c'est une technique à prendre en main, mais bon, on y arrive assez facilement. Donc, ici, au niveau du masque, si je rappuie sur M, comme je vous disais, en appuyant sur CTRL, on va pouvoir masquer. Mais on va pouvoir masquer ici, à la fois la grosseur, vous voyez. Ici, la force. Et ici, le détail. Donc là, je clique sur Size pour qu'il y ait quelque chose. Voilà. Vous voyez, si on fait ça, donc là, il ne se passe rien. Si j'appuie sur CTRL, voilà. On aura quelque chose de moins fort, donc on pourra rendre quelque chose de assez sympathique à ce niveau-là. Donc je reviens maintenant sur mon personnage, je clique sur Wireframe pour vous montrer. Et comme je vous disais, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, vous voyez, par exemple, j'ai créé, donc avec un masque, je vais vous montrer de suite, on va réduire le masque pour vous montrer. Vous allez voir, c'est très simple. Hein. Donc j'appuie sur la touche CTRL, j'ai fait un petit trou ici, j'appuie sur la touche CTRL. Bouton gauche de la souris afin d'avoir que celui-ci qui m'intéresse. J'ai pris G pour euh, attraper la matière et vous voyez, j'ai tout simplement fait ça. Voilà. Vous voyez, rien d'extraordinaire. Hein. Rappelez-vous, on est en mode symétrique donc automatiquement euh, notre petit personnage est dupliqué de l'autre côté. Prenons le cas des boutons. Donc là, voilà. Prenons le cas des boutons. Imaginons, on veut mettre des boutons sous les paupières. Donc j'appuie sur la touche M. Je vais réduire un tout petit peu ça et je vais par contre augmenter un peu la force afin d'avoir quelque chose de plus flagrant voilà j'appuie sur ma touche contrôle et vous voyez j'ai fait un petit point comme ça juste comme ça donc là pareil qu'est-ce que je fais j'appuie sur contrôle bouton gauche de ma souris afin d'avoir mes éléments parfait donc ici une fois qu'on a le masque on va prendre par exemple l'outil draw et on va vous voyez on va essayer de bon, c'est un peu exagéré mais à vous de, de faire le nécessaire. C'est toujours pareil que ceux qui savent dessiner font des plus belles choses, bien évidemment. Voilà, bon, c'était juste pour vous montrer. Donc là, je désélectionne en sur la touche CTRL, je fais un glisser-déplacer ma souris. Et vous voyez, on avait comme des petits boutons sous les yeux. Donc vous l'aurez compris, c'est exactement comme ça qu'il fallait faire. Si on prend maintenant le cas des doigts, alors le doigt c'est un peu compliqué parce que là j'ai... Alors on va essayer de vous expliquer. Euh... Bon, imaginons, on va faire un doigt ici. Donc, on va prendre E pour crease. On va créer ici, par exemple, un doigt. On va prendre le masque. Touche CTRL pour essayer de bien masquer ce qu'on veut faire. Vous allez de suite comprendre ce que je vais vous expliquer. Parfait. Là, touche CTRL, j'appuie. Et maintenant, je vais gonfler ma matière. Donc, touche G, on va attraper. Et on va un peu la, vous voyez, un petit peu. Voilà. Imaginons, ça c'est votre doigt. Très bien. Donc j'appuie sur CTRL, je fais un glisser pour tout annuler. Parfait. Ce qui m'intéresse c'est faire un ongle. Alors là, j'appuie sur M, et je vais juste faire cette partie-là. Donc touche CTRL. Vous voyez Ce qui m'intéresse c'est juste celle-ci. Ce qui fera en fin compte mon ongle. Touche CTRL, j'appuie, et là maintenant j'ai bien mon élément. Je prends G, et regardez, automatiquement j'aurai mon ongle. Alors après, un ongle, comme vous le savez, euh, je vous rappelle, vous je vous avais expliqué les bouquins qu'il faut utiliser. Il bah, y a toute une technique à connaître. Donc là, je vais prendre l'outil crease. Hop. J'ai bien l'outil crease. Sauf qu'il faut bien évidemment que je sois dedans. Et vous voyez, je fais une espèce de rainure. Bon, là, c'est moche parce qu'il n'y a, de... a pas assez de détails. Donc alors, il aurait fallu qu qu'il y ait plus de détails. Mais vous voyez un peu les... le, le style. C'est comme ça que je vous ai créé, en fin de compte. Donc là, je fais un glisser pour tout enlever. Voilà. C'est comme ça que je vous ai créé ici les ongles. Ils sont moches, hein Mais c'était juste pour le fun, pour transformer notre personnage différemment. Voilà, bah écoutez je n'en dirai pas plus sur l'outil masque, donc comme d'habitude vous pouvez accéder à mon site web savoirpourtous.eu, donc je vous montre le lien de suite. Ici sur le site savoirpourtous.eu, il suffit d'aller ici dans graphisme, ensuite vous cliquez sur en savoir plus au niveau de apprenons sculptrice. Vous avez ici dans l'onglet vidéo, vous cliquez dessus et là vous aurez euh, toutes les vidéos que j'ai pu faire pour l'instant sur sculptrice. Et en l'occurrence la dernière qui nous intéresse c'est celle-ci, c'est présentation de l'outil masque. Donc, comme d'habitude, ici donc, vous avez le fichier euh, Shipper Monster. Et comme d'habitude, si vous souhaitez avoir euh, le fichier zip, euh, c'est-à-dire le fichier sc1 où je suis amusé à créer euh, Shipper en, en monstre, bah, vous cliquez ici ce petit fichier zip, ce petit lien, et vous aurez donc l'élément en question. Voilà, bah, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye!